Mr. Doudou, El Doudé. Bonjour mon ami Dédou. Toi là, tu as mis ma photo sur ta page, la faut enlever. Hein. J'ai pas problème. Dadou. Il faut enlever. Tu as mis ma photo sur ta page, là. Il faut enlever. Mais très blanc, Kouna. Afficher les commentaires. Oui, mais c'est déjà affiché. Connectez-vous. Parce que affaire de l'aide syndicale, là, moi, je suis d'accord avec les syndicats. On va parler un peu de tout. Maintenant, si vous me voyez plus trop sur Facebook, c'est parce que mon compte a un souci. Bon, comme ça fait longtemps, je fais pas de direct. Donc, je viens ici pour vous dire, ceux qui veulent voir, ceux qui veulent suivre mon live, ils n'ont qu'à aller sur. Donc, allez sur ma chaîne YouTube. Excusez-moi, je voyais pas, j'étais en train de me rendre beau. Bobo! On avance bien, famille. Voilà, on avance très très bien. Et mon mentor, il va super bien. Guillaume Kibafori-Soro, il va très très bien. Alidou Tao, Jadé, connectez-vous, connectez-vous. Et quand t'es joli même, c'est bon. Hein? Tout ce que tu fais là, ça gare. Mais c'est quand on est moche là. Même quand tu changes de continent, tiens. Connectez-vous à partir de 200 personnes hier par les voilà. 200 personnes. Faites l'effort aujourd'hui. 200 personnes. Parce que je vois, il y a plein de gens qui sont découragés. On ne doit pas se décourager. Un combat ne se gagne pas du jour au lendemain. Esprit Joe, il dit le 14, c'est comment? Le 14, tu veux savoir ce qui va se passer le 14? Bah, ils vont valider leur forfaiture entre eux. C'est bizarre en tout cas. Ils disent qu'ils vont pas. Dans la période de Covid, là, on a vu, ils ont rempli des stades. Ils sont allés profiter de l'inauguration du stade des gens à Niamey. Il y avait du monde, ils ont envoyé à SEC Africa là-bas. Bon. Maintenant, pour faire les investitures là, on dit non. C'était à Yamoussoukro. Martin Poda, bonjour. Après Yamoussoukro, ils ont dit c'est Abidjan. Bon, même dans Abidjan là aussi, ils veulent pas du monde. C'est bizarre. En tout cas, ce qui est sûr est sûr. Nous, on est dans l'opposition. La politique, c'est pas la guerre. La politique, c'est débat d'idées et la politique, c'est de, voilà, c'est de dire, c'est de ne pas être forcément d'accord avec ton adversaire. Voilà. Parce que la politique, pour moi, c'est un jeu. Normalement, c'est un jeu. Pas pour moi-même, c'est un jeu. La politique, c'est un jeu. Voilà. On ne doit pas se taper dessus, on ne doit pas se tuer. Mais en Côte d'Ivoire, nous, la jeunesse, on est rentré dans la politique. Avec esprit de bonbon. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de politique, les gens disent, ah, c'est pas bien. Pourtant, on dit politique n'est pas bien là. C'est politique là qui gère le monde. S'il n'y a pas politique là. Ouais, Victor, non.
Quand ça les arrange, là, on s'en fout de Corona. Mais quand ça les arrange pas, c'est autre chose. Ibrahim Soumaoro, bonjour. Yasmine C, bonjour. Quand ça les arrange, on s'en fout de Corona. Mais quand ça les arrange pas. Alors, j'aimerais dire ici, bon, comme on n'arrive pas à atteindre les 200 personnes, j'aimerais dire ici à tous ceux qui ont aimé Guillaume Soro, de continuer à l'aimer. Sinon, derrière là, il y a regret. Quand tu vas laisser Guillaume Soro là, derrière là, il y a regret. Et je vais dire aussi aux Soroïs, aux Ivoiriens qui aiment Guillaume Soro, de ne pas penser que le destin de Guillaume Soro viendra de quelqu'un. C'est déjà tracé. Dieu dit, il va être président et il va gouverner. Donc, il ne faudrait pas que les gens se disent, non, si Guillaume, il n'a pas soutien de lui là, il ne peut pas être président. C'est faux. Et ça va maintenant, même une fois là, pour dire, non, s'il n'a pas soutien de lui là, d'abord là, moi je veux que les soroïstes là, ceux qui aiment Soro là, ils n'ont qu'à regarder Dieu, ils n'ont qu'à regarder Soro. Bonjour à Dieu. Ils n'ont qu'à regarder Dieu. Bonjour Jeanne, comment tu vas? Hier je t'ai appelé là, mais c'est pas passé. Hier, il y avait un problème de réseau partout. Les gens pensaient que leur compte était signalé, mais c'est Facebook même qui avait un souci. Quand tu lances l'appel, on te dit, ouais, t'es pas connecté. Voilà. Donc, Guillaume Soro, il ne faudrait pas qu'on se décroise. Il est dans un combat noble. Guillaume Soro a été utilisé par tous ces lions de la politique ivoirienne. Guillaume Soro a été utilisé par tout cela. Donc, quelqu'un ne peut pas salir Guillaume Soro. Et puis lui, il va être propre. Moi, j'ai choisi Guillaume Soro parce que il a prouvé que lui, Guillaume Soro, là, il n'a jamais été violent. Sinon, il pouvait, je ne sais pas, si il peut dire ça comme ça, il pouvait déclencher des trucs pour dire, ouais, on va attaquer la Côte d'Ivoire, on va faire ça là, mais jamais. Mais il a été accusé et condamné. Ah, mais c'est toi-même qui as écrit, non? Bon, Claire, bonjour Claire. Moussa Camara, bonjour. Voilà, nous, on ne va pas tomber dans la provocation des autres. Vous savez, quand on mène un combat, arrive un moment, c'est comme si tu étais attaquant, tu veux forcément marquer. Et tu vois, il y a un défenseur qui est gamé sur toi. Il lui veut même pas attaquer les autres, c'est toi, il attaque. Alors, un joueur intelligent, tu dois changer de stratégie. Voilà tout ce que Assal Mobrui a dit là. Tout ce qui est parce qu'on l'appelle maintenant Assal Mobrui là, tout ce qu'il a fait là jusqu'à aujourd'hui là, c'est en train de payer. Il a dit des choses qui vont se concrétiser maintenant. Bonjour, bonjour, bonjour Colombe. Ouais, je suis là, Drissa. Je suis calé. Il a dit des trucs qu'on va commencer à toucher maintenant. Parce que je vais me prononcer sur la sortie de Bédier. Ceux qui ne comprennent pas, parce que moi j'ai écouté, j'ai compris à ma manière et j'ai approché des gens qui parlent bien la langue de Molière. Ils m'ont expliqué en Djoula. Ils ont traduit ça pour moi en Djoula. Ils ont dit, ah d'accord, donc à quoi le foie? J'ai dit, ouais, j'ai dit, voilà. Voilà, avec la CNT, l'appellation CNT, on ne pouvait pas trop avancer. Vous savez, dans la vie, là, tout le monde fait des erreurs. CNT, là, je suis devenu joli, là. CNT, là, on ne pouvait pas trop avancer dedans. Parce que CNT que moi j'ai connu, les CNT que j'ai connu, je crois, les CNT sont mises en place après un coup d'État ou bien les trucs comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois. Hein.
Élégance, bonjour. Éléphant, non, elle padrine. Toi, tu as commencé à payer amende maintenant. Zoumana Koulibaly, tu sais, à chaque fois, il t'appelle Zoumana Karawali, là, parce que j'ai mon grand frère qui t'appelle Zoumana Karawali. Donc, quand je vois ton nom comme ça, au lieu de dire Koulibaly, il dit Karawali. Donc, vous allez voir. Alassane Ouattara avait dit qu'il n'allait pas dialoguer avec l'opposition, que l'opposition devrait aller dialoguer avec Dieu merci, que l'opposition devrait aller dialoguer avec le peuple. Et après, il est venu dire que ouais, il veut dialoguer avec l'opposition. Il a dit qu'il veut dialoguer avec l'opposition. Là, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on accepte d'aller au dialogue parce qu'on sait qu'il ne va pas tenir. Il le disait pour nous montrer le comportement de l'opposition ivoirienne, pour montrer à l'international que voilà, c'est des gens, ils ne veulent pas la paix. Je les ai appelés, pourtant on n'a qu'à discuter, je ne suis pas violent. Voilà, ils ont refusé. Donc, on était obligé de partir. On allait, on a dialogué, mais bon, on a fait premier contact, première prise de contact, on est parti. Et après, rien n'a changé. Les conditions que Bédé a posées, ça n'a pas été respecté. Alors là, le point fort de la sortie, ce qui va être utile pour nous les Ivoiriens, dans la déclaration de Bédé, il veut un dialogue inclusif où tout le monde doit être là. Parce que ce qui arrange ceux-là aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir, c'est de voir les gens hors du pays. Parce que on dit un poisson hors de l'eau là, il n'a plus de force. Voilà. Donc il faut que nous tous là, on soit sur le terrain. Ce que Bédé a dit, ça a été longuement réfléchi et ça va payer. J'ai dit à tout le monde, on n'a jamais été violent et ne soyons jamais, jamais violents. Ramatical, bonjour. Faudrait pas qu'on rentre dans la danse qui les arrache eux. Voilà, je suis trop content de monter un matin là. Mon Dieu. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans la danse fédérale. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans la danse que eux ils veulent qu'on danse. Parce que si on rentre dans ça là, on est perdant. Nous avons vu en 2005, de 2005 en 2010, c'est vrai que le pays avait été attaqué, mais il y a eu un président. Bon, le monsieur aujourd'hui qui est au pouvoir, il dit non, que Gbagbo a fait deux mandats. Sinon, en vrai, il n'a pas fait deux mandats. Et puis, on doit changer de langage. C'est vrai, nous sommes Ivoiriens. Bonjour, Bintou. Nous sommes Ivoiriens. Moussa Ouattara, nous avons le droit de dire que nous sommes Ivoiriens. Nous avons le droit de dire, ouais, ceux-là ne sont pas ivoiriens, mais on ne les chasse pas de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je vis en France. Je suis étranger et fier. Même quand on m'appelle en ville comme ça, étranger, là, ça me fait pas mal. Je suis pas au Burkina, on me dit étranger. Je suis content. Je vais pas faire la guerre aux gens pour ça. Partout où je me trouve, si c'est pas la Côte d'Ivoire, on m'appelle étranger. Je suis fier parce que je suis fier de mon pays. Nous n'avons jamais eu de problème avec les étrangers avant l'arrivée des autres. On était en parfaite harmonie, on était bien, on faisait tout ensemble. Mais pour l'histoire de politique, Soro rien bonjour, pour l'histoire de politique, aujourd'hui, on est déchiré. Et c'est ce qui arrange les autres aujourd'hui. C'est ce qui les arrange. Guillaume Soro a bloqué, je ne sais pas, oh, le gars il m'a expliqué, j'ai oublié un peu. Guillaume Soro s'est battu pour Laurent Gbagbo. En 90, où il y a eu, je ne sais pas c'était en quelle année, où il y a eu année blanche là, où les gens sont pas partis à l'école là. Je ne sais pas c'est en quelle année même. Aidez-moi là, j'ai trouvé moi la date, parce que moi j'étais à l'école coranique à l'époque. Donc, année blanche là, nous on connaissait pas trop. Voilà. Vous voyez, Guillaume Soro, bonjour Marie-Laure Kimou.
Guillaume Soro a bloqué la Côte d'Ivoire. Je crois que après ça, il a été homme de l'année en 97. Non, en 90, merci beaucoup. Guillaume Soro a fait ça. Gbagbo était dans le... C'est pourquoi, moi, j'arrête de demander pardon. Parce que j'ai pris du recul un peu. Ça fait maintenant peut-être 2 semaines ou bien 1 semaine. Je ne fais plus de vidéos comme ça. Parce que où nous sommes arrivés là, nous sommes tous dans le même bateau. Et il y a le bateau du pouvoir à côté. Si tu penses que en allant là-bas, tu vas sauver ta vie, bah tu pars là-bas. Sinon, dans le bateau là, c'est lui qui fait erreur là. Nous tous, on va couler ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui est propre. Côte d'Ivoire. Ça, c'est qui ça? C'est qui m'appelle là? Direct, hein. Je suis en direct. Tu es en train de me regarder là. Je suis en direct. Ah non, c'est une femme. Attendez. André, c'est la première fois qu'elle m'appelle. Excusez-moi, je suis. Je pensais que c'était garçon. Excusez-moi, parce que quand femme t'appelle comme ça, là, c'est bonheur. C'est vrai, j'aime demander l'argent, mais quand femme t'appelle souvent, il faut répondre. C'est bon. Marie-Ebi, bonjour. Mon frère Ali Karamoko, comment tu vas? Donc, vous voyez, la m'a appelé, ça. Elle est claire. Après, il y a causé avec toi. T'inquiète. J'étais en train de dire quoi là même? Ouais, je disais que on est dans le même bateau. Si on fait erreur, ok frère, il n'y a pas de drame. On est ensemble. Courage à toi. Nous là, on ne se décourage jamais. Certains pensent que ouais, on a perdu le combat. Non, on a jamais perdu ce combat-là. On ne va jamais perdre ce combat. Jamais de la vie. On est dedans, on avance. Et on va aller jusqu'à la gare. Guillaume Soro prêtera serment en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Ne vous inquiétez même pas. Guillaume Soro, là, il va prêter serment en Côte d'Ivoire et il va diriger la Côte d'Ivoire. Mais nous ne voulons pas faire ça dans le sang. Parce que Guillaume Soro n'a jamais gouverné et c'est son totem. Il ne gouvernera jamais dans le sang. Sinon, il y a des occasions qui se sont présentées pendant qu'ils sont en train de tuer les gens. On a toujours parlé en diplomatie. On a toujours parlé en diplomatie pour dire non, on ne veut pas que voilà, le pays brûle. Mais ce qu'on voulait, on voulait que ouais, les autres là, respectent la Constitution. C'est tout ce qu'on demandait. Et il y a eu des morts. Parce qu'on dit, quelqu'un dit non. Il ne faut pas rentrer dans ma maison, ou bien quand tu regardes la télé chez moi, si ça c'est qu'Africa, tu dis que tu supportes Africa. Si Africa marque là, voilà, il ne faut pas sauter des joies, sinon tu as sorti. Mais si Africa marque, si tu veux rester à la maison, si tu veux regarder la télé, bah, t'as dit yes. Et puis tu es là. Parce que là, c'est la joie qui t'a tapé un coup. Bof! Toi, tu fais yes. Et tu te suis. Ah non, il a dit qu'il ne faut pas sauter des joies. Bonjour, mon vieux Père Traoré. Donc, c'est ce que nous, on a demandé. On dit de respecter la Constitution. Parce que ça a été fait. Tu as dit que c'était contre toi. Tu n'étais pas d'accord. Et toi-même, tu as fait. Tu dis c'est ça là qui est bon. Et tu n'es pas d'accord encore. Dans le combat de Soro, je suis là pour vous dire, moi, je ne suis pas un lèche-botte. Je ne suis pas un trou du cul. Mon père, paix à son âme, j'ai pris un peu ça de mon père. Mais seulement, je vais pas être imam. Voilà, parce qu'être imam, là, il y a trop de missiles dedans. Voilà, ils vont te lancer des sorts. Non, laisse tomber. Donc, je ne veux pas être imam. Et la politique n'a rien à voir avec la religion. La politique, c'est un jeu de société où tout le monde doit profiter si le dirigeant, il est bon. Aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, là, ça ne va pas. C'est dans le monde entier, hein, partout ça ne va pas. Donc, suivre quelqu'un comme ça, là, aveuglément, là, je vois.
Le jour Guillaume se redécone, il serait le premier à l'attaquer. Et violemment. Ah oui, Guillaume. Et puis, je profite pour vous dire, il va super bien. On a causé hier, il y a quelqu'un qui me disait que, ouais, que Ouattara est venu ici, c'est pour sceller les choses. Et puis après, ils vont prendre Guillaume Soro. Dormez tranquille. Ceux qui aiment Soro là, dormez tranquille. Dormez tranquille, Guillaume Soro là. Rien. Ils voulaient me faire croire que, ouais, après l'investiture, ils vont rapatrier Guillaume Soro. Et je lui ai dit, hey, attention, tu ne parles pas à un mouton. C'est Amiral Blindé, Delma Puro, Del Poincia, Baïgon, alias homme d'État. Parce que avant l'investiture, il y a eu des investitures avant. En 2015, il y a eu. Et le monsieur était dans le pouvoir. Il a lancé deux fois mandat d'arrêt international, poto. Donc, pour donner espoir aux moutons, ils disent que, ouais, après l'investiture, ils vont rapatrier Guillaume Soro. Allez là, Rassounoro, faut y. Et aujourd'hui, les gens, ils font croire que. C'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, ceux qui m'appellent là pour dire non, les gens qui sont blessés au pays, on n'a qu'à cotiser, on va envoyer l'argent. Moro, je ne vais pas donner. 5 francs, ça ne veut pas dire que je m'en fous d'eux. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit et donne pas Moro. Parce que quand les gens ont marché, un moment quand les gens ont marché en Côte d'Ivoire, il y a eu des blessés. Certains de nos frères ici, là, ont cotisé pour envoyer l'argent. On a entendu sur les, ça a dit pour les soigner. On a entendu sur les réseaux ici que, ouais, que moi, Guillaume Soro m'a donné 15 000 euros. Il a donné 30 000 euros à Soulé d'envoyer aux gens acheter machette pour s'attaquer. Hey, moi, là, ma religion là, ne me permet même pas de gifler quelqu'un. C'est-à-dire insulter quelqu'un innocent, il m'a rien fait là. L'insulter, là, ma religion ne me permet pas. Et après, mon éducation ne me permet pas de faire ce genre de truc. Je ne vais jamais suivre un criminel. Le chemin que Guillaume Soro a aujourd'hui là, qui il est dedans aujourd'hui là. Voilà, si c'est un chemin criminel là, voilà, bilal, je le laisse tomber. Je ne vais pas le suivre. Parce que je sais que demain là, quand ils vont me mettre dans mon petit trou là, je vais rendre compte. Je vais rendre compte demain. Alors, je ne vais pas prendre l'argent de quelqu'un. Ou bien ils vont passer par moi. Ils vont acheter machette. Je sais que ce n'est pas pour aller au champ. Dans un climat tendu comme ça. L'argent de machette là-bas, ça dit, c'est moi, je vais prendre ça, envoyer, et puis les gens vont se découper, ils vont se tuer. Non, jamais de la vie. Maïva, salut. Audrey, bonjour. Jamais de la vie, moi, je rentre dans ça. Jamais je vais rentrer dans ça. Mais ce que vous oubliez là, la politique n'a rien à voir avec les religions. Oh, pourtant, c'est la politique qui dirige le monde aujourd'hui. Il y a le monde des religieux et le monde de politique. Les deux là, c'est des voisins. Mais si tout est bien respecté, la politique ne doit pas, non, la religion ne doit pas se mêler de la politique. La religion doit se mêler dans la politique lorsque il n'y a pas d'entente entre les politiques. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est les religieux même qui sont devenus aujourd'hui. Francis Robert, bonjour. C'est la religion aujourd'hui même qui est devenue, c'est-à-dire les guides religieux qui sont devenus aujourd'hui. Les quoi là même, comment je vais appeler ça même? Les présidents, les. Alors, oh, j'ai plus le mot. C'est-à-dire, c'est eux, ils sont devenus aujourd'hui. Siramani, bonjour. C'est eux, ils sont aujourd'hui les guides religieux là. C'est eux, ils sont partisans aujourd'hui. Ceux-là, ils sont pas bons. Ceux-là, ils sont bons. Ceux-là, ils sont pas bons. Bon, pendant que tu es en train de dire à lui là qu'il n'est pas bon là. Il n'est pas bon, c'est vrai.
C'est comme tes enfants à la maison, quand tu es un chef d'État là, ou bien un chef guide religieux là, tu es comme un chef de famille. De la manière que tu te comportes. Voilà, partisans, merci beaucoup. Merci, merci. Ils sont partisans, Robert, merci. Tu vois, ils sont partisans. Tu vois, à la maison, tes enfants, conseillers, ouais, des conseillers, des hommes politiques, ouais, merci beaucoup. Les guides religieux sont les. Quoi? De quoi? Ben. Cahier du pouvoir, becaille du pouvoir. Tu vois, c'est comme tes enfants à la maison. Moi, j'ai des enfants. Et la plupart du temps, on pense que c'est les enfants qui n'ont pas raison. C'est-à-dire, les plus petits n'ont pas raison. Mais pourtant, c'est les grands qui les provoquent. Parce que pourquoi tu dis les grands les provoquent? Par exemple, je te donne ça là. Je donne ça à ma grande fille. Je dis, bon, ça là, c'est pour vous. Et en sachant que Kibafori ne peut pas, s'il a soif là, il ne peut pas l'ouvrir pour boire. Kibafori, comme il est intelligent comme son papa, il va prendre la bouteille. Pendant que sa grande sœur est en train de jouer à un jeu, il va envoyer. Comme il ne sait pas parler, il ne sait pas dire, ouais, ouvre-moi la bouteille, je veux boire. Il va aller donner à sa grande sœur. Donc, à sa grande sœur, de faire jouer sa tête, ah, tu as soif? Il va faire comme ça, oui, j'ai soif. Comme il ne sait pas parler, mais il sait ce qu'il veut. Tiens. Mais si tu refuses, moi, je connais mon fils, mais je connais mes enfants. Par exemple, Kibafori, quand il te demande service, et que toi, tu es sur ton jeu Nintendo, tu es en train d'appuyer, appuyer. Il te dit, tiens, tu ne le calcules pas là. Non, il y a longtemps, il t'a envoyé 5 kilos. Mais dis la bon, j'ai peur de lui. Il y a longtemps, il t'a envoyé 5 kilos. Bon, quand il t'envoie les 5 kilos, toi, tu vas te dire, ah, mais pourquoi il me tape? Baf! Donc là, tu n'as pas raison. Parce que tu dois prendre soin de lui. C'est comme ça. Un président de la République doit prendre soin de sa population. Quand ils disent, ouais, on veut ça là, il est dans l'obligation, parce que tu travailles pour nous, il est dans l'obligation de venir nous dire, ah, bon, on va essayer de voir. Parce qu'un bon négociateur, un bon gérant, c'est celui qui vient dire toujours qu'il n'affirme pas. Bon, on va voir. On va voir là, ça calme. Ça ne veut pas dire que tu as résolu le problème. Tu donnes le temps parce que souvent on veut quelque chose tout de suite. On n'a pas, mais le fait qu'on nous parle bon, on se calme et puis ça fait qu'on oublie un peu. Donc nos guides religieux aujourd'hui, ils sont devenus des partisans. Ce n'est pas de leur faute. Parce que Dieu même a dit dans son Coran, il dit vers la fin du temps, les hommes politiques, les guides religieux, ils seront des suiveurs. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, pour revenir au truc de Bédier, il a dit on doit aller au dialogue. Alors, le pouvoir, on peut appeler ça comme ça, le pouvoir. Attendez, il y a des gens qui m'ont dit bonjour. Bonjour, princesse Audrey, Fatou Bakayoko, Lydie Kona. Voilà. Voilà. Parce que quand je suis en retard comme ça, je n'aime pas répondre, sinon après j'oublie. Donc Bédier, il a demandé le dialogue comme de la manière Ouattara avait demandé dans le passé. On va le faire et tout le monde serait sur le terrain. Et surtout, ma vidéo d'aujourd'hui, là, c'est pour dire aux Soroïs. C'est pour dire aux Soroïs. C'est pas parce que nous, on fait plus de vidéos comme avant, qu'ils vont se décourager. Non. Nous sommes déterminés. Nous, là, on est déterminés. C'est jusqu'à à la gare. Et le jour, moi, j'ai arrêté la politique là. J'ai touché du bois. C'est que Guillaume Soro, bon, même pas fait du bois, même le jour, c'est que Guillaume là, il dit il fait plus politique. Mais je vais le suivre. Même s'il devient vendeur de Yahoo là, je vais faire publicité de son Yahoo. Yahoo Frigolo au pays là. Je vais faire publicité de Guillaume Soro. Je suis avec lui. Et je me battrai pour qu'il soit au pouvoir, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Vous savez, la croyance là, quand tu crois en Dieu, quand tu as bonheur là, tu vas penser à lui directement. Tu vas dire, ah ça là, ça vient de Dieu. Quand tu as des soucis aussi là, tu vas pas accuser ton voisin. Tu vas dire que c'est ce que Dieu aime. Il y a des gens qui nous dirigent, qui nous ont dirigés dans le passé.
Ils n'avaient même pas le droit de se présenter à une élection municipale parce qu'on disait qu'ils n'étaient pas ivoiriens. Et il y avait un mandat d'arrêt international contre ces personnes-là, aujourd'hui, qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, qui ont chassé tout le monde aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, il n'est pas ivoirien, il est ivoirien. Guillaume, il est ivoirien. Donc il n'a pas ce problème-là. Et puis, il n'y a pas un crime que ce pouvoir-là, l'ancien pouvoir, peut accuser depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui-là. Ils peuvent prendre ça pour mettre ça sur Guillaume Soro et puis eux, ils vont s'en sortir. Il n'y en a pas. Tout le monde a fait des bêtises, hein. C'est vrai, quand on parle du passé, on dit souvent les bons noms de Gbagbo parce qu'il a fait des gestes qu'on a vus. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tout le monde est témoin. Tous ceux qui ont plus de 20 ans aujourd'hui, là, tout le monde a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu. Tu sais, moi, vous savez, moi, je suis quelqu'un, je suis un peu bizarre. En parlant là, ça tombe dans ma tête. Moi, je suis un peu bizarre. Peut-être bizarre même, c'est pas un peu même. Je suis bizarre. Moi, amiral là, je suis bizarre. Merci. Depuis 99, voilà, jusqu'à aujourd'hui là. Il n'y a pas un politique qu'on parle de lui aujourd'hui là. Qui va dire que lui, il est propre dans l'affaire de Côte d'Ivoire. Parce que nos parents du Nord, ils pensent que on est maudit, on soutient Gbagbo. Moi, je ne soutiens pas Gbagbo. Moi, c'est Guillaume Soro. Mais si Gbagbo a fait du bien là, je vais parler de ça. Si Ouattara aussi avait fait du bien là, je vais parler de ça. J'allais parler de ça. Les gens pensent qu'avec tout ce qu'on a vécu, nous, les Nordistes, ce qui est arrivé au Nordiste, nous aujourd'hui là, on a oublié ça. On n'aime pas Alassane Ouattara. Non, c'est faux. Le comportement d'Alassane Ouattara, on n'aime pas. Mais lui-même, sa personne là, on n'a rien avec ça. Non, j'ai pris mes téléphones là. Mes enfants ont pris mes deux téléphones là. Baba a pris un et l'autre a pris un. Donc ce n'est pas avec moi ici. Donc je ne peux pas montrer des preuves. Il faut que j'achète un nouveau téléphone, non. C'est comme ça, ceux qui aiment faire beaucoup d'enfants, là, il y a trois téléphones ici, mes enfants là, au cas bêta. Donc, faut y a tout brûler. Parce que c'est pas eux, ils ont tapé la porte, papa, on veut venir au monde. C'est bon, j'ai dit, ah, dingadigné. Donc, voilà. Donc, dans le passé, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Et tout le monde, tous ces politiques-là, ont eu des discours. Aujourd'hui là, quand tu mets ça à la télé, qu'ils n'ont qu'à regarder là, ils vont pas regarder tous ces politiques que vous voyez aujourd'hui. C'est vrai, cas de séjour vient d'Alassane Ouattara. Mais après, nous qui avons les noms du Nord, Dormandou, Petit Moussa, les trucs comme ça là, on a eu des soucis. Personne ne peut nier ça. Parce qu'il arrivait un moment aussi, il fallait que vous là. Vous devrez dire un moment, ah non, c'est vrai, les Karamoko d'Oumadou là, ils viennent de Mankono. Ce n'est pas tous les Karamoko qui viennent du Mali. Et ce n'est pas tous les Konés qui viennent de la Guinée. Il y a des Konés ici. Bah, il faut qu'on se dise la vérité. Hein, parce que je ne veux pas être hypocrite. Que non, tu ne disais pas ça là hier. Je le dis. Et je prends ça, vous pouvez prendre ça comme témoignage demain. Vous gardez. Parce que mon mentor va être président. Faudrait pas que les gens vont penser que non, il a changé de discours parce que Soro est président. Non, je ne vais jamais changer. Parce que Soro même là, moi-même je le guette. Parce que les gens disent que quand tu te bats pour un politique, quand il arrive au pouvoir là, tu deviens son ennemi. Moi, je suis prêt à être ennemi de Soro. Si c'est pour être ennemi de Soro là, pour qui il travaille pour les Ivoiriens là, alors il serait prêt. Et puis on va avancer jusqu'au bout. Peut-être que c'est ce que les gens disent là, qu'il est criminel là. Peut-être qu'il va essayer
il y a de moi me tuer. Mais je ne pense pas, il va avoir honte. Même s'il est criminel, il va avoir honte de dire, allez-y, tuez Dormando. Parce qu'il sait ce que j'ai fait pour Alassane Ouattara. Il sait ce que je fais pour lui-même. Et il sait ce que je fais pour la Côte d'Ivoire. Je devrais commencer par ça d'abord. Moi, je ne t'ai pas connu avant. Oui, Adnganelo, je ne t'ai pas connu. Mais comment les gens se sont intéressés à moi avec mon niveau de... Bon, c'est pas niveau poubelle. Parce que ça va, je suis intelligent quand même. Je ne vais pas me mettre dans la... Je vais pas me jeter comme ça pour dire non, je n'ai pas de niveau. Niveau Bénin. Quelqu'un qui a deux, quatre enfants. Et plein, c'est-à-dire quatre enfants reconnus. Et Mibé Crémo, Tessé Gafo. Beaucoup. Vous savez, les gens sont au pouvoir. Je vais vous dire comment les gens ils m'ont approché. Les gens sont au pouvoir. Les gens tiennent des discours guerriers. Les gens pensent qu'ils font croire aux gens que eux là ils sont trop dangereux. J'ai arrêté un imbécile là. C'était en 2000 combien? Je crois en 2000, en 2014, qui a fait une vidéo qui a donné 72 heures à Alassane Ouattara de quitter le pouvoir. Déjà, c'est un plaisantin. Mais tout le monde avait peur. C'est après j'ai su que tout le monde avait. Parce que moi-même, ça m'inquiétait un peu. Parce que le gars, il... Un visage bizarre. Oh. Il a un visage bizarre. C'est pourquoi quand je vois les gens aujourd'hui m'insulter, ouais, tu es maudit, mais ce que j'ai fait pour Alassane, là, est-ce que vous m'avez payé? Ceux qui m'insultent aujourd'hui, là, c'est pas vous qui m'applaudissez quand je faisais caricature de Gbagbo là. Donc quand je suis avec vous là, c'est bon, je peux tuer, c'est bon, vous allez applaudir. Mais quand je change de camp, dans votre propre intérêt là, parce que je sais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, il y avait trois personnes ou bien quatre personnes. Guillaume Gbagbo, Bédié, et Alassane Ouattara. C'est à ceux-là de mettre les Ivoiriens ensemble. Quelqu'un d'autre ne va jamais quitter quelque part, venir réconcilier les Ivoiriens. À part ces quatre personnes-là. Si on veut vivre en harmonie, comme dans le temps de Ouvé Boigny, là, il faut que parmi ceux-là, moi j'ai fait mes calculs, j'ai dit c'est Soro qui a gâté. Parce que c'est lui son nom qui est dans la bouche de tout le monde. C'est le nom de Guillaume Soro qui est dans la bouche, sinon il n'est pas le président. La rébellion a donné naissance à un pouvoir. Ce n'est pas Guillaume Soro qui a prêté ses mains. Et Guillaume, il sait ce qui s'est passé. Il est la boîte noire de la crise ivoirienne de 2002 jusqu'à aujourd'hui là. Guillaume Soro est la boîte noire. Je vous dis bien, écoutez bien, je vous dis, écoutez bien. Quelqu'un qui n'était pas acteur dans la crise qu'on a connue, qui devient président, jamais on va avoir la paix. Je vous dis ça. Ceux qui sont moins intelligents, ils ne vont pas comprendre pourquoi tu dis ça, parce qu'ils veulent que Guillaume Soro soit président. Vous avez vu, au Rwanda, là, Paul Kagame a été président. La guerre de Rwanda, génocide de Rwanda, là. Ils n'ont même pas fait un an dans la guerre, mais ils ont fait des millions de morts. Nous, aujourd'hui, pour ne pas trop réveiller le démon, on nous parle de 3 000 morts. Non, on doit aller jusqu'en bas. Parce que Chani, là, peut-être ils sont allés chercher les corps. Mon vieux père, Baïgodo, bonjour. Peut-être ils sont allés chercher les corps à la morgue, venir les déposer. Sinon, depuis ce temps, jusqu'à la crise de 2010-2011, on doit comptabiliser tout ça là. Mais est-ce que ça vaut 2 millions? Ou bien est-ce que ça vaut 1 million de morts même? Un mort, c'est un mort, hein? Un mort, c'est trop. Mais c'est parce que Paul Kagame s'est assis. Il a dit, je me suis battu pour quelque chose.
Aujourd'hui, là, on ne parle pas d'ethnie là-bas. Tu vois un Tutsi aujourd'hui dit à un co parce que là, ethnie là, il y a deux ethnies là-bas. Tutsi, les Tutsi et les Hutus. Écrivez-moi leur nom là. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire comme de la manière nous on dit en Côte d'Ivoire, oh toi c'est nouveau là, ou bien oh toi Moussi là. Si tu fais ça là-bas là, c'est un délit. Tu pars en prison pour ça. Et Paul Kagame, il sait qu'il a gâté. Donc il vient pour arranger. Voilà, Hutu, voilà, merci beaucoup. Hutu et tout, c'était trop bizarre. Bon, voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Walkou salam. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, Paul Kagame, aujourd'hui, Rwanda, là, on n'entend pas bruit là-bas. Ils sont tranquilles. Ici, en France, tu ne vas jamais voir un Rwandais hein, dans un centre d'asile en train de demander. Ils sont bien dans leur pays. Même s'ils sont plus riches que nous, là, à mon avis, hein, parce que eux, ils avancent aujourd'hui. Même s'ils sont riches, là, ils ne sont pas plus riches que la Côte d'Ivoire, parce que nous, on a tout. Mais il suffit d'un bon gérant pour que nous tous, on gagne un peu. Pendant que Paul Kagame crée des emplois, nous, on supprime des emplois. On ferme le tuyau de transport des voitures occasion en Côte d'Ivoire. Et cet emploi-là se retrouve en Guinée, dans les autres pays. Paul Kagame, aujourd'hui, là, Paul Kagame, ça veut dire, quand tu es là-bas, est-ce que vous savez qu'au Rwanda, là, tu restes à la maison, ta femme reste à la maison, bien tu pars au boulot, vous allez au boulot, et puis tu fais commande, même pour payer piment, frotobani, frotomugu, piment là, hein, les piments frais là, tu veux payer ça là, tu fais sur Internet, et puis tu es livré à la maison. Voilà, Hutu et tout, Hutu aussi, voilà. Merci beaucoup, Mel Lewis. Vous voyez? Tellement le gars a développé son pays. Développer un pays, on dit c'est le goudron. Non. Quand tu manges bien là, tu as la bonne santé là. Ça veut dire que toi dans ta maison là, tu es en train de, tu es en train, ça veut dire que tu es en train d'avancer. Paul Kagame a tout donné aujourd'hui aux Rwandais. Mais comme ici, même en France, on dit pays de liberté, de l'égalité, là. On n'est pas tous au même pied d'égalité ici. Mais ça va, on arrive à se soigner. Voilà pourquoi moi je me bats et je me battrai toujours, Inch'Allah, pour Guillaume Soro, pour qu'il laisse ce pouvoir-là, pour qu'il ferme. C'est que les vieux pères ont ouvert là pour qu'ils ferment ça. Parce qu'il y a quelque chose qui se dit en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est très dangereux pour l'avenir. Ceux-là ne nous aiment pas là. On ne voit pas ça comme parole xénophobe. Hein. Mais c'est très très dangereux. Ceux-là ne nous aiment pas. Ceux-là, on ne doit pas les faire confiance. Ceux-là ne nous aiment pas. Ceux-là, on ne doit pas les faire confiance. Mais c'est quelque chose qui va gâter la Côte d'Ivoire demain. Tu veux que ton mentor soit président? Tu veux qu'il gouverne dans la paix, dans la joie? Tu ne veux pas qu'un jour on te réveille pour dire non, ils ont attaqué Danané, ils ont attaqué quoi ou bien je ne sais pas où là. Tu ne veux pas entendre ça? Alors, trop d'injustice envoie la révolte. Aujourd'hui, il y a l'injustice en Côte d'Ivoire. Les gens ne veulent pas s'asseoir pour dialoguer. Mais si on a pu s'asseoir pour dialoguer en 2000, de 2000, avec Gbagbo a accepté de dialoguer avec les hommes en armes. Mais aujourd'hui, là, qui est armé? Personne n'est armé. Donc, si on appelle au dialogue, là, on doit accepter les conditions. Gbagbo a été violé. Parce que quand tu violes la Constitution, là, quand tu attaques un pays, tu dis ouais, que tu ne reconnais pas ce pouvoir, ça veut dire que tu as violé. Parce que quand tu violes la Constitution, ça veut dire le gardien même de la Constitution, même là, tu l'as violé aussi. On a attaqué la Côte d'Ivoire. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, là, normalement, ça devrait être du passé.
Mais c'est le même discours, les mêmes discours là. Parce que nous, on nous approche, on nous dit, non, ceux-là, ne les faites pas confiance. Ouais, c'est des gens, ils ne sont pas prêts pour vous. Tout ça, la Soro compte. Guillaume Soro ne compte pas sur quelqu'un. Moi, je vous dis ça. Et puis moi, là, je ne compte pas sur quelqu'un. J'ai dit ce que Dieu a décidé là. C'est ce qui va se réaliser. Tu as compté sur qui? Sur ceux même que toi, tu comptes là-haut. Eux, ils sont où aujourd'hui? On n'a qu'à se respecter. C'est pourquoi souvent je réagis au comportement des gens. Non, sans eux, Guillaume Soro ne peut pas être président. Et où tu as appris ça? Où tu as dormi? Ou bien, où ça dit, tu as dormi avec qui? Ou bien tu es allé voir Dieu, c'est Dieu qui t'a dit ça? Il a vous dit quelque chose, hein? Vous pouvez être d'accord ou pas avec moi. Guillaume Soro, là, après le temps du Bédié, Gbagbo, Ouattara, là, il n'y a pas quelqu'un de sa génération, là, qui est mieux placé politiquement que lui aujourd'hui. Il n'y en a pas, tu peux ne pas l'aimer, oui. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé aujourd'hui, qui a plus de relations que ce gars-là, Guillaume Soro. Ça peut te faire mal hein, quand je parle comme ça, mais c'est ton problème. Je t'ai pas appelé. Non. Ça peut te faire mal. Je ne veux pas être hypocrite. Voilà pourquoi je parle comme ça aujourd'hui. Pour que demain, là, on ne vienne pas dire non comme il est devenu. Non. Jamais de la vie. Ce que je pense là, je le dis et puis on avance. Ah, lui là, je l'aime pas. Ah, lui là, avant, j'aimais sa vidéo. Mais moi-même là, moi, je ne te connais pas. Donc toi là, ton l'aime-l'aime ou pas là, ça change quoi dans ma vie? Ça ne change rien. On prend trop de coups pour notre engagement. On prend trop de coups. Et des coups violents venant de nos parents. Parce que de la manière nous on voit l'avenir, eux, ils ne voient pas ça comme ça. Eux là, ils sont focalisés sur le passé. C'est vrai, Ouattara envoyait 4 de ses jeux. Mais arrivé un moment, ceux qui ont précédé Houphouët-Boigny là, ils ont pourri la vie aux nordistes. Il ne faut pas en se mentir. Ils ont pourri la vie aux nordistes. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça aussi. Il faut qu'on parle. Quand je vois des salités prendre micro, Guillaume Soro, il est comme ça, il est comme ça. Mon frère, tu veux qu'on parle? Ou bien ma soeur, tu veux qu'on parle? Je vais faire un mec, comment? Hein? En matière de politique en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que son camarade. Et ça, quand même, quand il faut. Quand on dit on n'a qu'à faire politique, là, il n'y a pas quelqu'un qui est propre plus que Guillaume Soro. On a vu les discours de Ouattara aujourd'hui là, ça ne nous fait pas plaisir. Mais on a entendu des discours comme ça dans le passé. Maintenant, on a laissé tout ça. On dit on n'a qu'à parler du père. On a pris les armes au nom de la démocratie. Aujourd'hui, il n'y a pas la démocratie. Alors, nous continuons à nous battre encore pour que la démocratie la vient parce qu'on a pris les armes, ça n'a pas changé, on n'a pas eu démocratie. Si on enlève violence dedans, qu'on parle en diplomatie, démocratie qu'on va avoir dans ça là, ça va être la totale. Et on va être tranquille. Il n'y a pas un saint. Parce que je vais parler, mais peut-être pas aujourd'hui, je vais parler. Il n'y a pas un saint dans la politique là. Parce que les gens, ah lui là, il était contre la France, voilà pourquoi ils l'ont enlevé lui là. Mais Bédié là, lui, il était pour qui? Est-ce que France n'a pas enlevé Bédié? Bah, pour faire coup d'État là, il faut les feux verts d'abord, non? À mon avis. Ils n'ont pas enlevé Bédié.
Est-ce que Bédier est opposé aux Français? Non. Mais ils ont fait coup d'État, il est tombé. Qui peut nous montrer comme de la manière on nous montre les contrats signés par Bouléré dans le temps de Gbagbo, tout ce que Gbagbo a donné, financé, campagne de Jacques Chirac. Pourtant, il dit qu'il était contre. On nous dit qu'il était contre. Qui peut nous montrer ça? Un dirigeant africain devient panafricain lorsqu'il sait qu'il a perdu le pouvoir. Dirigeant africain, c'est quand il perd, c'est-à-dire il sait que ouais, c'est mort pour moi, alors il se range du côté des panafricains. Il se range là-bas. Non, je défends l'intérêt de mon pays, je défends l'intérêt de mon pays. Non. Ce n'est pas à la fin. Comment vous pouvez comprendre? On dit Gbagbo le... Non, il faut rien. Non, désarmons nos cœurs, c'est vrai. Parce que nous, on ne peut pas prendre des coups de notre côté. Et puis les autres sont en train de jouer les durs. On dit Gbagbo voulait la monnaie. Le franc ivoirien. Mais pourtant, en 2010, pendant la campagne sur France 24, Africa 24, Gbagbo souhaitait même, après les élections, attirer des pays encore à consommer le franc CFA. La crise a duré post-électorale, la crise là, ça a duré, je crois, 6 mois. Mais dans les 6 mois là, c'est pour vous faire comprendre, quand je vous dis que c'est quand un dirigeant africain, il voit sa chute, il devient directement, automatiquement, comment on appelle ça? C'est-à-dire, il se met avec les Africains. Mais le franc ivoirien là, l'argent qui circulait là, c'est à quel moment on a vu le billet? C'est au moment où on était dans la crise, il y avait deux présidents, Ouattara et Gbagbo. Parce que moi je ne peux pas comprendre, 6 mois avant, tu voulais attirer des pays africains à consommer le franc CFA, et quelques temps après, comme c'est mélangé, tu dis non, je vais créer franc ivoirien comme ça, ceux-là, on ne veut pas de leurs jetons. Tu ne l'as pas fait dans la tranquillité. Normalement, tu devrais commencer depuis le jour où la France a coupé la Côte d'Ivoire en deux, là. C'est à ce moment-là, tu devrais dire, bon voilà, ce n'est pas au dernier moment. Ce n'est pas parce que on n'est pas au courant des choses. On est au courant. On sait. Parce que ce que nous disons aujourd'hui là, ce n'est pas à l'école qu'on apprend ça. On a vécu, on a vu. Il faut simplement être intelligent pour faire comprendre aux gens qu'il est arrivé un moment en Côte d'Ivoire qu'un Karamoko était mal vu. Mais si nous on laisse tout ça là, on vient s'asseoir, on parle, que les gens nous insultent chez nous à la maison parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on est engagé comme ça. Et ceux qui sont en face, wallahi billahi, je vous dis ça aujourd'hui, même aujourd'hui, si Guillaume se refait appel du pied à Ouattara là, il le prend et puis il reste avec lui. Parce que c'est quelqu'un, je connais sa mentalité. Il n'a pas été trahi, hein. Seulement qu'il a vu, pour la cause, lui, il a risqué sa vie, là. Les gens sont venus monter Alassane Ouattara pour le mettre en commun avec Alassane Ouattara et l'écarter. Pour dire non, lui, là, il veut vraiment la paix en Côte d'Ivoire. J'ai dit ici, même demain, je vais parler bon de Gbagbo. S'il a fait des trucs bien, je vais lui dire. Ça, c'est clair. Moi, c'est comme ça, je marche. Donc, ceux qui vont s'énerver là, c'est leur problème. À partir du moment où Dieu m'aide à payer mon loyer, Alhamdoulaye, j'arrive à m'occuper de mes enfants, Alhamdoulaye. Mais je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas accepter que les gens continuent à diaboliser Guillaume Soro, qui a laissé le pouvoir, qui s'est mis dans l'opposition pour dire non.
Il ne veut pas gouverner pour son goût lui-même, pour son goût, pour dire, ouais, quand je vais être président, sinon il avait tous les privilèges. Il avait tous les privilèges. Ahmed Bakayoko n'est pas plus fort que Guillaume Soro. Autour d'Alassane Ouattara même là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Guillaume Soro. Je ne vois pas. En politique, là, il est posé. Mais quand on vient, on parle, des gens viennent vous les rebelles, vous les rebelles. Vous-même là, vous êtes rebelles. Ce n'est pas un jus. Être rebelle là, vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui avec Alassane Ouattara. La rébellion là, c'est pourquoi le blanc dit rébellion armée. Et ça dit tu peux être rebelle, mais sans prendre les armes. Mais tout le monde, à partir du moment, tu t'opposes à quelqu'un, tu deviens automatiquement rebelle. Ah, Guillaume Soro, c'est un rebelle, on ne veut pas le suivre. On vous a demandé, montrez-moi une vidéo de Soroïs, des Soroïs là, qui disent non, laissez Gbagbo, suivez Guillaume Soro. Il n'y en a pas. Alors, rendez-vous le 12 décembre à Trocadéro, de 13h à 18h, pour demander le respect de la Constitution en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans le même bateau. Quand ça va couler là, on va tous couler ensemble. On a préféré parler de paix. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est humilié plus que nous. Hein. Parmi tous les vidéomans là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait violence sur sa dignité plus que nous, les soroïstes. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait violence sur sa dignité en train de demander pardon. La rébellion là, tous les soroïstes là, tous les vidéomans là, bon, c'est Doumia qui dit que lui, il a fait la rébellion. Sinon, tous les soroïstes que vous voyez ici là, on n'a jamais pris lance-pied même. On était tous ici. Moi, en tout cas, j'étais ici. Moi, je suis arrivé en 2000 en France. Le 11 janvier 2000, je suis arrivé en France. Certains diront que, ouais, et puis tu parles pas français. Je ne suis pas venu à l'école en France. Je suis venu chercher l'argent. Ils attendent que ça. Donc, c'est pour vous dire quoi? On n'a pas bouffé l'argent de la rébellion là. Nous, on n'a pas mangé dedans. Mais les gens pensent que nous, on est maudits aujourd'hui. Parce qu'on parle de paix. Montrez-nous quelqu'un parmi les autres vidéomans là, qui ne sont pas dans le pouvoir là, qui parlent de paix plus que nous. Il n'y en a pas. Et on a fait fort. Même ce que vous voyez là, CNT, Bédier, Gbagbo, tous ceux-là se sont mis ensemble là. Qui a commencé? C'est moi et dessin animé, on a commencé. Bonjour Mélanie. C'est moi et dessin animé, on a commencé à l'ambassade de Côte d'Ivoire. On s'insultait tout le temps en Bignon-Renéni. On s'insultait nos mères en inbox, on se donnait rendez-vous pour aller se frapper, tout ça là. Bonjour, Baki Ouattara. Mais quand on a publié la photo, dessin animé, ils l'ont insulté, côté gore. Moi, ils m'ont insulté. Quand vous voyez tout ce truc-là aujourd'hui, là, que les gens sont ensemble, là, c'est des gens qui ont commencé. Des gens qui étaient opposés, qui se donnaient rendez-vous même pour dire, ouais, allons se frapper. Alors, je ne vais pas accepter, à partir de maintenant, là, je ne vais plus accepter que, parce que, on dit, on est en famille, des imbéciles vont sortir pour nous insulter ou bien pour nous traiter de tous les noms, et puis on va laisser. Non. Celui qui rentre dedans là, moi, Amiral, franchement, je vais répondre à la personne. Même si, ben, je n'ai pas dit ton nom. Matali, bonjour. Je ne vais pas dire nom de la personne parce que moi, aujourd'hui, là, quand il doit parler de quelqu'un, je dois dire le nom de Soro, Gbagbo, Alassane Ouattara, Bédié, parce que je suis un homme d'État. Je ne vais pas parler, je ne vais pas citer ton nom, mais je vais répondre à la personne.
Parce que vous pensez que comme nous on demande pardon, non, on n'a pas subi d'injustice. C'est vous, parce que le pouvoir de Gbagbo a été attaqué. C'est vous. Donc on va venir maintenant. Comme vous voulez qu'on parle du passé, peut-être que Guillaume, sur mon nouveau comportement, ça là, il ne va pas aimer. Mais je vais le faire. On va parler du passé de chacun. On va parler du passé de chacun. Moi, je vois des vidéos, je laisse. Je vois des vidéos sur YouTube. Des discours dans le temps de Gbagbo et des discours de Gbagbo lui-même. Mais je laisse. Je viens, j'expose Alassane Ouattara. On dit, Gbagbo, c'est un homme de paix. Les supporters de Gbagbo disent que ouais, c'est Gbagbo un homme de paix. Les supporters d'Alassane Ouattara disent que Alassane Ouattara est un homme de paix. Et les supporters de Bédié disent que ouais, Bédié est un homme de paix. Je peux accepter pour Bédié, mais je ne peux pas accepter pour Gbagbo ni pour Alassane Ouattara. Parce que Dieu les a mis à l'épreuve. Ils ont montré que eux là, ils sont pas prêts pour la paix. Je m'explique. Hein. Bédié avait été élu en 95 pour 5 ans. À la fin de son mandat, il y a eu un coup d'État. Bédié avait ses gars dans l'armée. Parce que son papa même là, il gérait l'armée. Félix Houphouët-Boigny. Kofi Félix Houphouët-Boigny, voilà. Par exemple, on dit que quand les boss là, Kono Salani, il faut que tu vas voir Kofi. Comment quelqu'un qui est parti chez Dieu là-bas, au lieu de dire l'autre, il va voir Kofi. Vous-même là, moi je ne comprends pas, vous, vos français là, est bizarre. Hein? Bonjour Nicole. Le juge, ils ont fait coup d'État là. Bédia a regardé. Ah, je peux dire à mes gars de s'opposer, de s'imposer. Mais il va avoir beaucoup de morts. C'est pour le pouvoir, non? Je laisse. Je pars. Il est parti. Est-ce qu'il y a eu des morts? Non. Voilà pourquoi j'ai dit, je préfère chose. Mais bonjour. Je préfère et je choisis Bédié comme un homme de paix. Bédié est parti tranquillement. En 2010, vous savez, les choses se répètent en Côte d'Ivoire. Hein. En 2010, parce qu'en 1999, Bédié parlait à la radio. Je ne sais pas, il avait quel téléphone, il disait qu'il était présent. Et puis, Gay, il a garanti, j'entends encore là, ni Kafoutou, ni Kouté est présent, tu vas voir ce qui a été fait. Après, Bédié, comme il n'est pas violent, il n'a plus parlé. Il a pris le cigare et il est parti. Mais en 2010, il y a eu deux présidents, comme en 99, parce que l'autre avait été élu démocratiquement. Mais il y a un coup d'État et il y avait quelqu'un à la tête qui était Guéï Roubaix, qui disait que lui, il était président. Et lui, celui qui était élu démocratiquement disait que lui aussi, il était président. Et arrivé un moment, il a vu que, ah, si j'ai dit je suis président, s'il reste comme ça, peut-être que le pays va brûler, il est parti. En 2010, voilà pourquoi j'ai dit Gbagbo n'est pas un homme de paix. Alassane Ouattara n'est pas un homme. Parce que quand tu parles, les gens ils vont couper la partie. Mais dites-leur, ils n'ont qu'à venir regarder la vidéo. Parce que c'est lui qui parle là, c'est pas un plaisantin, c'est un homme d'État. En 2010, ils ont combattu des. Ils ont fait Palabre. Ils ont fait Niaga. L'autre dit, c'est moi, je suis président. L'autre dit, c'est moi, je suis président. L'autre dit, ça veut dire, ils ont oublié les Ivoiriens, la vie des Ivoiriens, là, ils ont oublié ça. Pourtant, l'autre, il pouvait le faire, Bédié pouvait le faire en 99, mais il ne l'a pas fait. Pour la paix. Parce que c'est un loufouétiste. Il n'a pas fait. Il a laissé, il est parti. Est-ce qu'il est mort?
Aujourd'hui, là, il n'est pas roi. Hein? Bédi est roi, qu'on veut ou pas, là. Bédi, là, il est roi. Dans l'affaire, là, dans le problème de Côte d'Ivoire, si on veut dire, bon, c'est dans ce genre de comportement-là, laisser le pouvoir, je ne laisse pas laisser le pouvoir. Quand, si on part sur ce plan-là, Bédi, il est propre. Bédi est propre que Ouattara et Gbagbo Laurent. Donc, ne venez pas provoquer les gens. Agamemnon. Agamemnon a créé que là, non, lui là, il est comme ça, il est comme ça. C'est pas bon, arrêtez. On doit parler de l'unité aujourd'hui. Et on doit parler à Alassane Ouattara pour qu'il accepte le dialogue. Parce que c'est dans ça là, il y a la paix. Et il faut qu'on change de mentalité. Arrêtons de dire non, ceux-là ne nous aiment pas. Amadi Nié, Nika Danié, tout ça là. Parce qu'il y a l'hypocrisie. Dans l'opposition, là, il y a l'hypocrisie. Et puis nous, Soroïs, là, nous, on n'est pas sous couvert. Hein? Nous, là, nous, on n'est pas, nous, on n'est pas sous couvert. Parce que j'ai dit à Guillaume, il dit, je ne suis pas un PD. Donc, je ne peux pas suivre un PD. Si tu rentres dans l'opposition, là, il faut que tu sois ton patron. Tu n'es pas le numéro 2 de quelqu'un. C'est comme ça. Et voilà pourquoi vous ne verrez jamais Guillaume Soro se placer en deuxième position. Pourquoi? Pays là, c'est pour qui? C'est grand-père de qui a payé pays là? Hein? Donc les Soroïs, ne vous découragez pas. Même il y a des gens qui nous approchaient et ils pensaient que Guillaume Soro allait faire coup d'État pour prendre le pouvoir. Et puis ils allaient profiter de notre amitié. Voilà, tout ça là, et puis voilà. Déjà. Mais aujourd'hui, là, tous ceux-là sont partis. Mais je remercie le bon Dieu. Comme je ne suis pas mouton, je sais ce que je fais dans la vie. Donc, les Soroïs, à quand la décourager, je vais ressembler à Nelson Mandela. Ne vous découragez pas. Mais Mandela sans prison, quoi, voilà. Qui a 25 ans en prison. Ils ont eu Mandela dans son propre pays. Ils l'ont pas envoyé à la haine. Dans son propre pays, au Gabla-Kasola, 25 Dans les Soroïs, restons concentrés. Le monsieur que nous avons choisi là, c'est pas un lèche-cul. Vous voyez, c'est sorti contre Macron. C'est ça qu'on appelle garçon. J'ai pris Dieu pour qu'il soit le président. Mais je ne regretterai pas aussi s'il n'est pas président. Parce que c'est un homme. Tchelebe. Toi, tu n'es pas encore président et puis tu réponds à la France comme ça, à Macron. Tu le bombardes même et puis il n'y a rien. C'est ça qu'on appelle garçon. Dans les Soroïs, on a un bon leader. On a un Kefari, le Djaramla. Aujourd'hui, là, tout l'argent de Côte d'Ivoire, là, quand vous payez un pot, là, c'est pour arrêter Guillaume Soro. Ben, c'est l'argent, ça, là, ils prennent, ou bien pour tuer Guillaume Soro. C'est l'argent, ça, là, ils prennent, ils donnent à leurs voyous, là, pour attaquer Guillaume. Bonjour, Ramakara. Donc, ami, tiens le coq, tiens. Vrai, vrai garçon. Donc, pour finir ma vidéo. Je vous dis, parce qu'il y a d'autres qui ont eu mal. Quand je parle comme ça, là, eux, ils ont mal. Guillaume Soro, là, la porte n'est pas fermée à Guillaume Soro de se réconcilier avec Alassane Ouattara. N'oubliez pas ça. La porte, là, n'est pas fermée à Guillaume Soro de faire la paix, se réconcilier avec Alassane Ouattara. C'est qui vit aujourd'hui là? Il va être tranquille dans sa tête. Mais il peut se lever aujourd'hui pour dire, ah, comme c'est chaud là. La vérité, j'ai appelé Alassane Ouattara et puis voilà, qu'hier rentré au pays, je suis fatigué. Mais il ne le fait pas. Parce que c'est un homme de conviction. Guillaume Soro, il s'est, à chaque fois quand il est dans un truc, il se crée un nom.
Quand il était dans la rébellion, il disait qu'il était homme de mission. Même ses proches ne comprenaient pas. C'est pourquoi avant d'aimer quelqu'un là, il faut le connaître. Il disait qu'il était homme de mission. Mais les gens ne comprenaient pas. Et ils prenaient ça homme de mission dans le sens où, voilà, ça veut dire qu'il va faire des missions. Non, homme de mission de quelqu'un. Où est-il allé au nord? On n'utilise pas ce nom-là dans les trucs, mais je vais commencer à l'utiliser. Il dit, il a fait un discours, et dans le discours là, il a dit quoi là, et puis à la fin, il a dit le djaram lajara. Il a dit le djaram lajara là. Bah, on nous dit que le lion est le roi de la forêt. N'est-ce pas? Le Gara. Bonjour, Léane. J'espère que le petit va bien maintenant. Excuse-moi, dans ce temps-là, j'ai ma tête qui est tellement chère. Tu vois pas, je sens ma tête est trop chargée. Il a dit dans un discours au Nord, quand il était dans le Hambol, là, il a dit le Gara, c'est-à-dire il a parlé et puis il a dit le Gara. Le djaram lajara, ça veut dire le lion qui est le roi de la forêt là. Lui, il est le roi des rois de la forêt. Guillaume Soro. Donc, apprenez ce nom-là. Le djaram lajara. Eh! On va vous fatiguer. Moralement là, on va vous fatiguer. On est dedans. On a choisi la gamme à fatiguer, fatiguer. On va vous fatiguer. Vous pouvez dépenser tout jeton de Côte d'Ivoire. Mais Guillaume là. Ce que Dieu a tracé pour lui là. Quelqu'un qui a moitié roquette dans l'avion, ça t'a les frères quoi. Il voit roquette arriver quand il pime mes poitrines, ils avaient doum. Après il respire, il fait. Puis il est calé. Ça tu vas les frères quoi. Hein? Vous avez tout essayé. Mais ça sort comme ça. Poto, poto. Tout sur le gars. Mais vous n'êtes pas fatigué. Mais quand on mène un combat, arrive un moment, tu dois t'asseoir pour réfléchir. Quand le combat n'aboutit pas là, tu dois t'asseoir pour réfléchir. Ou bien quand on veut réaliser quelque chose et puis ça n'avance pas, arrive un moment, tu dois t'asseoir, tu fais le bilan. Tu dis, mais pourquoi c'est pas comme ça là? Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans le fait de ce rôle-là. Voilà, il y a Dieu dedans. Ah, vous avez essayé beaucoup de choses. Hein. Même femme, vous avez essayé. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ceux qui veulent m'avoir là, c'est pas l'argent, envoyez femme. Vous n'allez pas regretter. Nama, non, non, non. Vous allez payer couche pour les bébés là. Que non, on va te piéger. Moi, me piéger, envoyez les go là. Quand je suis musulman là, je ne fais pas les trucs comme ça. Sinon, on n'a qu'à l'an encore. Non. Bébé direct. Et puis, pas de l'enfant là. Nama, faut pas que me fait quand. Ça, c'est ce qu'il dit là. Ah, vous croyez que vous avez piégé, hein? Mabla, non, non, ça, non, non, nous coucher. Abaissez-moi ça. Donc, bon dimanche à tous. Rendez-vous demain à Trocadéro. J'ai mis la coiffure. Rendez-vous demain à Trocadéro, de 14h, de 13h à 18h. Métro ligne 6. Voilà, on va aller. Parce que la politique se fait dans la civilisation, voilà. On n'est pas venu faire politique pour dire on tue lui là, on tue lui là. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà, j'avais commencé un truc et j'ai arrêté là. Je disais que ouais, je ne veux pas donner l'argent. Adingra, bonjour mon frère, comment tu vas? C'est ça, non? Adingra, Mélanie. Mélène, ouais, Mélène. Donc, demain, rendez-vous. Pour dire ouais, qu'on n'a qu'à mettre l'argent pour aller soigner ceux qui sont blessés en Côte d'Ivoire. J'ai dit, je ne peux pas donner l'argent. Je suis un soloiste vivant. Hein? Ok. Je te réponds après. C'est parce que je suis en direct. Je suis en direct. Tu vois que je suis en direct, non? Voilà. Donc après, je t'appelle. D'abord, il y a une go qui m'a appelé. Je vais l'appeler d'abord.
Voilà, je n'ai pas l'air de fête. Hein. Moi, là, je suis musulman. 31 Noël, tout ça, là, c'est haram chez nous, les musulmans. Donc, les petits gars qui vont venir, oui, bébé, il faut faire ça, là, chez nous, là. Je ne vais pas chercher, je vais pas chercher péché dans péché. Hein, déjà, même là, on ensemble, là, c'est péché. Et puis, je vais venir prendre mon argent encore, payer péché encore pour augmenter sur mes péchés. Donc, à fête de Noël, là. Oubliez-moi. Moi, c'est Koubarou. Moi, c'est pas ça là. Moi, je connais pas ça. Voilà. Donc, si vous préparez, si vous préparez Plakali, vous pouvez m'inviter y aller manger. Parce que c'est votre fête. Je peux participer, manger. Mais pas fêter. C'est-à-dire, fêter, c'est comme si je priais avec vous. Donc, Meshi Wartembro, il n'y a pas l'un de Mesh. Et puis, voilà. Fouy Tembro, je suis musulman. Ah voilà, je suis pas dedans. Normalement même là, tu dois même pas chercher femme qui n'est pas musulmane. Normalement, c'est parce qu'on est têtu. Pourquoi moi aussi je cherche pas femme qui n'est pas musulmane là? Et puis les gens qui pensent que je peux pas là, vous connaissez ça là? Moi, il y a moi Abidjan me trouve ici. Ouais. Ça c'est mon kiff ça. J'ai mangé ça comme ça c'est qui mangeait. D'après Alpha Condé, il dit ils vont faire usine de bonbons pour les gens en Guinée là-bas. Bon, vous voyez des gens comme ça. C'est tous ceux-là qui viennent mettre les pouces dans. Pendant que eux, les présidents là, il est en train, il dit il va faire usine de bonbons. Bonbons pour les bonbons pour les Guinéens. Non, eux politiques. Bon, voilà encore Johnny Rawlins. Vraiment, ça se voit que le gars, il est vraiment mort. Voilà, c'est Milo. Tu vois? Moi, c'est Abidjan qui me trouve ici. Hein? Je n'ai pas mangé devant vous. Vous voyez, après que Johnny Rawlins installe la démocratie au Ghana, dès qu'il est mort, là, première élection, là, ils n'ont même pas encore enterré. Hein? La démocratie, là, c'est parti. Vous savez, les anglophones, là, ils ne sont pas comme nous. Hein. Moi, demain, là, je peux voir Ouattara et puis encore dire, ah, petit, tu me fatigues, hein, oh, et puis ça passe. Mais anglophones, rancœur qui est dans eux, là, c'est Allah seul qui connaît. Alors, le Ghana est très, très mal parti. Non, hey, Kaouedi Mouloma, s'il donne l'argent, ça, là, c'est haram. Dieu a dit, il ne faut même pas t'approcher même. En 80, comme on était petit comme ça, j'ai un ami là, il était chaud sur une go, il est ici. Je ne sais pas si il est là, mais s'il est sûr. On est parti à l'église à cause des femmes. Ça fout là. Mais j'étais encore mineur, donc Dieu ne va pas prendre, je ne savais pas. On est parti à l'église, je rentre là, c'est Moussoukoso. Mon ami là, son affaire de femme. On finit de prier 18h, là, sans faute, 19h. On va manger et puis après maintenant on dort. Parce que la go là, elle sortait pas. C'est le dimanche. Elle partait à l'église pendant que son papa est en train de prier, sa famille. Donc mon ami venait et puis il causait la fille. Moi, je ne comprenais pas français même à l'époque. Quand il parle, je les regarde comme ça, on dirait. Dans ta église là. Donc, pour, vous voyez, donc, ça y est, il ne faut même pas, ils vont rêver. Maintenant, là, les Ghanéens vont aller chez nous. Eux, leur démocratie, là, c'est mort comme ça. C'est fini. Il n'y a plus de démocratie là-bas. C'est fini. Vous allez voir, ça va, ça dit, ça va s'empirer ce qu'ils ont commencé là. Parce que l'anglophone, il ne laisse pas pour lui à Dieu. Hein. C'est pourquoi ils appellent Dieu God. En anglais, là, God. Tant, mais il faut voir le nom de Dieu même. God, on dirait coup de poing, t'as ta go. Mais là, tu penses que toi, tu es allé le provoquer et puis il va te laisser? Non. Oublie ça. Et Ghana est mal parti. Hein. Ghana, là, c'est mal parti. La démocratie a pris un coup là-bas, c'est fini. Le gars, il est venu à sa démocratie, il est parti, ça y est, c'est fini. Plus jamais le Ghana va se remettre sur pied encore. Je vous dis ça aujourd'hui. Wale Bilay. Rawlins, dès qu'il est mort net, là. Donc, je crois que je vais vous laisser, non? Allez-y vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube. Parce que ici, là, vous voyez, depuis le matin, ils sont en train de parler.
J'ai fait 200 personnes. Là, là, 150 personnes. Donc, mon compte est attaqué. Salam alaikum.